Rosa. Ben, écoute, je n'ai pas encore terminé mon lait. Si vite que j'aurai fini, je viens. Tu fais une bonne tasse de café, hein? J'arrive dans une demi-heure, hein? Facilement. Ça. Non, non, pas moi. Allez, viens ici tout près toi. Ah, mais je m'en doutais. Et note-toi bien qu'un jour, Isabelle, elle le dit à Lily, hein, ça. Je me dis que folle, toi, Isabelle, hein, devant Lily. Avant qu'elle me parlait de ça, hein. Oh, je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. Enfin, soit. Hein? Ça qui ah, est pensionné, alors on a son mari ouais, dans ses pieds tous femme, les jours. Une femme pensionnée, ça c'est autre chose, mais un homme pensionné, ça c'est. Ouais. C'est pas la même chose, hein. Ouais, ils ne savent plus que faire pour passer leur non. temps, hein. Sortir ça, hein. Je vais lui acheter à cheval. Ouais. Dis-moi, j'ai soif ici. Allez, je vais chercher Xavier. Xavier, cher. Oui. Hélas. Pourtant, moi, je prie, hein, qu'on a un autre que M. Martin, sa mère. Ça, c'est pourquoi un autre. Vous savez, je suis pas pour les uns ni pour les autres, mais pourquoi un autre. Et voilà, vous avez votre jeton. Ah, ça, c'est le jeton pour la machine. Pour la machine. Et le billet, lui, bon. Quel billet? Ah, vous avez payé votre machine? Ah, ça y est, j'ai payé ma machine, d'accord. Vous avez... okay. Alors, si vous voulez du savon, il faut venir ici. Il faut savoir si c'est des couleurs ou quoi, hein. Mais moi, j'habite dans les blocs, hein. Ouais. C'est bien, ça. Surtout pour les enfants, il y a beaucoup d'espace, tout. Hein. Ouais. Combien de place tu as, là? Là, j'ai 3 chambres, j'ai un grand living, cuisine semi-équipée. Ouais. Dans tout le confort, hein. Okay. Pour 9 000 francs par mois. 9 000 francs par mois? Ça rentre cher. Et alors, ils ont dit qu'ils voulaient le séparer, mais tu sais, quand il est monté, il n'y a rien à faire, hein, ça. Quand il est démonté, il frappe un peu tout le monde. Et c'est ça qu'ils ont fait appel à la police pour le faire rester tranquille. Blague à part. Encore en plus de ça, je me fais engueuler. Elle dit, dis, je suis belge, moi. J'ai dit, oui, pourquoi est-ce que t'as la peau noire, alors? Hein? C'est vrai, quand même. Si on vous donne des bons conseils, alors vous nous engueulez encore. J'ai retournez dans votre pays. Voilà. Elle a dit ça? Non, moi, j'ai dit ça. À qui? Ben, à la bougnole, tiens. Oui, à qui voudrais-tu que je le dise? À toi peut-être. T'as quand même pas la peau noire, hein? C'est mieux de rien dire. Oui, mais j'avais bien envie de lui dire, mets-toi dans la machine à laver, mais de l'autre, j'avais là, ce moment-là, tu auras la peau blanche. Mais moi, où j'habite, on a bien volé dans ma cave. Alors, et tu savais quoi avec un affiche de mon mari? Encore une chance, j'ai une assurance vol. Alors, j'ai touché 20 000 francs à l'assurance. Alors, on peut la peine. Ben, il y en avait pour 20. Ils ont fêté leur 25e mariage maintenant. Ah ouais, ils s'entendent bien, hein? Ouais. C'est un beaucoup plus gentil. Ah ouais? Pas pour moi, hein? Ah. Ils ont des enfants? Non. Non, c'est le frère du roi, son fils qui va être roi. C'est marrant qu'elle soit espagnole quand même. Et alors, c'est comme en Angleterre, ils défilent dans la rue, ils sont dans un carrosse. Ouais, ouais. Ah ouais, il y a une fête comme ouais, ça. Oui, toujours. Ouais. Mmh. Non, je vais mettre mon silence. Oh, mais maintenant, je vous remets seulement. Oui, ça, c'est grave quand même. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Mais je trouve tout de même la facilité bien facile. Ah, comment? Parlons français.
En attendant, tu veux que tu me Je peux maintenant. Ouais, ouais. Merci. C'est qui? Plus vite que moi. Hein? Ah, t'es plus vite que moi. Une grosse mouche bleue. Qui ça? Une mouche. Une mouche, bleue, hein, qui se promenait sur mon main. Il y avait une mouche? Oui. Elle est un peu vite que moi. C'est ça que je suis passé, hein. Je suis si fâché parce qu'ici, dans l'état actuel, il va un peu faire attention aussi. Hein. C'est ce que j'ai dit, s'il arrive quelque chose à ma soeur, hein, à son père, hein, que j'ai dit. Eh bien, Dominique, elle va ramasser une trappe comme elle n'a jamais eu de sa vie. Vous voyez la mentalité de maintenant? Est-ce qu'il y en a encore qui se vendent d'être belges? Moi, je suis né belge. Quand j'entends Brabançon, hein, je viens à froid jusqu'à mes doigts de pied. Et si demain, il y a une guerre qui est déclarée, j'ai 72 ans, hein, je suis encore prêt à partir avec. Comprenez la mentalité. Et ça n'existe plus maintenant. Oui, mais si on réfléchit un peu, hein, si on prend tout l'argent des riches, il n'y aura plus que des pauvres, vous savez. Est-ce qu'on sera plus riche? Est-ce qu'on aura plus si dans on notre... les taxera un peu, monsieur. Est-ce qu'on aura plus dans notre assiette? De jour en jour, un peu moins. À moins qu'on les oblige à investir. Il y a trop de fraude là-dedans. Un hôtel de luxe de 50 000 francs à la nuit. Et il n'y a même pas la femme avec, hein, dites. Ça, je voudrais quand même une femme permettre. Même pas la femme avec, hein. Et alors, si vous voulez un homme, il faut le payer encore, hein, tout près, hein, madame. À 50 000 francs la nuit, on devrait quand même offrir la femme avec, hein, dites. Ou bien l'homme, hein. Ça dépend, hein, si on vous êtes une femme. On préfère ça comme en Thaïlande, hein. Oui. Oui, hein. Un homme seul, le soir, il a une petite Thaïlandaise avec lui. Hein. C'est un vrai vaudeville ici. Entre-temps, le même sergent passe. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dis oui. Tous des Bruxellois. Oui. Bon pour la vaisselle. Eh bien, monsieur le sergent, vous le ferez vous-même. Chaque fois quand on voyait passer, on faisait le temps. Puis ça me parlait, nous on partait par là. C'est pour ça qu'il m'a drôlement regardé quand moi je suis sorti. Hein. J'ai dit, vous croyez de me voir, hein, que j'aurais été un bon milicien, alors vous auriez joué avec. Hein. Mais maintenant, ça va me se tourner. Je l'ai bien eu, ce soir. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vos clients, vous, ni de vos fourrures, hein, ni de vos sans-artistes. Non, oui. Oui, mais ne t'énerve pas, il n'y a pas d'avance. Oui. Oui, mais... Et tu crois que moi, je ne l'aurais pas dit? Moi, j'ai été là dans le café, je l'aurais dit. Moi, je ne sais plus quoi que tu... Oh, merde, alors, c'est recoupé. Voilà.